tous ceux qui se demandent si c'est vrai que nos effectifs sont parfois plus massifs, de toute façon, ils vont l'être. Mais vous qui êtes là, vous méritez que je passe enfin la parole à Jean-Numa Ducange, qui préside la séance, et évidemment à Jean-Jacques Le Cercle, qui va vous présenter mieux et que nous remercions chaleureusement. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette nouvelle séance du séminaire Marx. Alors, conformément à notre démarche qui est de croiser un maximum d'approches inspirées du marxisme, nous avons souhaité aujourd'hui inviter Jean-Jacques Le Cercle, qui est professeur émérite à l'Université de Paris 10 et qui a travaillé notamment sur le rapport entre marxisme et philosophie du langage. Avant de lui laisser la parole, je signerai simplement un de ses ouvrages majeurs dont paru en français, Une philosophie marxiste du langage, paru aux presses universitaires de France dans la collection Actuelle Marx Confrontation en 2004. Sans plus tarder, donc je lui laisse la parole sur ce thème et nous aurons ensuite le temps de débattre plus longuement sur son intervention. Merci beaucoup encore. Bien, c'est moi qui vous remercie naturellement de m'avoir invité. Mon point de départ a la forme d'une question, c'est-à-dire le marxisme a-t-il besoin d'une philosophie du langage? On peut formuler cette question de façon plus générale. Y a-t-il encore besoin, à une époque où la science du langage, la linguistique, existe et s'est solidement établie, d'une philosophie du langage? Le langage ne se trouve-t-il pas, depuis Saussure, dans la même situation que les phénomènes dont rencontre la chimie, laquelle n'a plus besoin d'une philosophie spécifique, mais seulement d'une épistémologie ou d'une méthodologie? Il est vrai que la chose n'est pas si claire si l'on passe de la chimie à la physique, laquelle a encore besoin d'une cosmologie, sinon d'une gnose, ou à la biologie. On se souvient des analyses d'Althusser, qui a montré chez Jacques Monod l'existence d'une philosophie spontanée de scientifiques qui n'épargne aucun scientifique ni aucune science. Il y a une différence supplémentaire entre la chimie et la linguistique, qui fait que si les deux disciplines se targuent d'être des sciences, on ne peut pas entendre ce terme dans le même sens. On peut raisonnablement supposer que le contenu d'une licence de chimie est à peu près le même dans les universités de Valparaiso et de Vladivostok. Autrement dit, il y a un mathème de la chimie, les théories de pointe sont dûment controversées, mais le socle de l'enseignement fait l'objet d'un consensus. Cette situation n'a pas cours en linguistique. Il y a certes des programmes de recherche d'extension mondiale, comme le programme de recherche chomskien, mais le contenu de l'enseignement de base varie selon les universités et les théories localement dominantes. Jusqu'à quel point peut-on encore qualifier de science une discipline qui est incapable de s'accorder sur ses fondements et de définir un socle commun de connaissances comme voie d'accès à la pratique de la science? J'exagère naturellement. On considère généralement que Saussure a ouvert le continent langage, comme on disait, à la science, et que depuis la coupure épistémologique, comme on disait aussi, qu'il a opéré, la linguistique se doit d'être saussurienne. Et l'on trouvera dans la lignée de la théorie saussurienne un mathème de la linguistique, par exemple chez Jean-Claude Milner dans son livre « L'amour de la langue ». Mais outre qu'il existe toujours des formes de linguistique non saussurienne, en particulier dans les pays anglo-saxons, le mathème en question, chez Milner comme chez Chomsky, et la chose est encore plus claire chez Chomsky, exclut du domaine de la science du langage la plus grande partie des phénomènes que notre sens commun subsume sous ce terme. Je sais que c'est le propre de la science que de construire un objet qui ne relève pas du sens commun, par exclusion et purification, mais la linguistique saussurienne couvre cette caractéristique à ses dernières extrémités, comme le démontre le fait que, par compensation, et pour sauver les phénomènes dans leur complexité, on parle maintenant de science du langage au pluriel, et à la linguistique générale se sont ajoutées la sociolinguistique, la pragmatique, l'ethnolinguistique, la psycholinguistique, etc. Construire la langue au sens de Saussure comme objet de la linguistique, c'est en effet condamner la linguistique à une incessante fuite en avant pour étendre le domaine des phénomènes langagiers dont elle est capable de rendre compte. On se souvient par exemple que chez Saussure, la syntaxe et du domaine de la parole, alors qu'elle est le cœur de la compétence chomskienne. Et cette incertitude quant à l'objet de la science et à son statut a une autre conséquence,
Elle condamne le linguiste à des considérations générales sur le langage et la communication, dans les 5 premières pages de son traité, où il envisage les phénomènes langagiers dans leur totalité, avant de passer aux choses sérieuses, à savoir la théorie régionale qu'il entend exposer. Ces considérations générales visent à compenser la fragmentation introduite par la théorie et constituent une philosophie du langage à peine dite et qui n'ose s'avouer telle. Dans le pire des cas, cette philosophie du langage reste implicite et relève de la doxa. Dans le meilleur, comme chez Chomsky, elle devient entièrement explicite, elle est inévitable, le problème est que chez Chomsky, elle est hautement discutable. On conclura que l'étude du langage et des langues ne peut se passer d'une philosophie du langage qui en constitue le substrat et doit être dite, c'est-à-dire explicitement formulée, une philosophie qui compense l'exclusion d'une grande partie des phénomènes langagiers à laquelle la construction de l'objet langue condamne la science. Ma question immédiatement rebondit. Si l'on accorde qu'il est besoin d'une philosophie du langage parce que celle-ci est inévitable, est-il besoin pour autant d'une philosophie marxiste du langage ? La première chose qu'il faut dire sur ce point est qu'il n'y a pas de théorie marxiste du langage. Le marxiste laisse le linguiste travailler, comme il évite de déranger le physicien ou le biologiste. Nous savons que ça n'a pas toujours été le cas, et que l'excursion du petit père des peuples dans le champ de la linguistique a eu, entre autres, cet effet positif-là, au moins, pour les linguistes communistes occidentaux, qui n'ont pas eu à subir d'affaires Lysenko. Mais cette intervention du petit père des peuples, en réalité naturellement rédigée par un académicien, a été profondément ambiguë. Elle a renvoyé aux oubliettes les théories, entre guillemets, marxistes de Marx, qui étaient en réalité ce qu'on appelle un fou littéraire, mais elle a constitué aussi une intervention politique dans le sens d'une russification linguistique de l'Union soviétique. Les maristes avaient de drôles d'idées sur l'origine des langues, mais ils cherchaient à les prouver en décrivant systématiquement les langues rares de l'URSS. Et en reproduisant le sens commun, la doxa des linguistes en matière de langage, ce que j'ai appelé dans mon livre une philosophie spontanée des grands dirigeants, elle a étouffé pour des décennies toute description réelle du phénomène langagier chez les marxistes. Un exemple, on a réédité récemment les articles de Jean Toussaint de Santi dans la Nouvelle Critique des années d'après-guerre. Il avait consacré 2 longs articles à l'intervention de Staline en matière de linguistique. Il n'y est jamais question des phénomènes du langage. La seconde chose qu'il y a à dire sur la nécessité d'une philosophie marxiste du langage est que les philosophies du langage existantes, d'origine anglo-saxonne et de penchant logiciste et cognitiviste, sont résolument idéalistes. Le petit livre récent de Recanati en témoigne. Il s'intitule « Philosophie du langage » entre parenthèses et de l'esprit. Or, la question du langage, et donc de la nécessité d'une conception matérialiste du langage, se pose pour les marxistes dans la mesure où le langage n'est pas seulement un objet de contemplation scientifique, c'est le vecteur et l'instrument de la lutte idéologique, situation qui n'a pas échappé à l'ennemi de classe avec ses armées de spécialistes de l'information et de la formation, de la communication, de l'évaluation, du management, etc., et avec sa pratique résolue de l'impérialisme linguistique. Il y a donc une urgence politique, autant que philosophique, à ce que les marxistes que nous sommes s'intéressent aux questions du langage. Pourtant, je n'ai pas encore vraiment répondu à ma question. Que nous devions nous intéresser au langage à cause d'une nécessité de la lutte idéologique est clair. Mais devons-nous nous y intéresser en tant que marxistes ? En proposant en effet une philosophie marxiste du langage, je risque de sombrer dans l'idéalisme sous la forme bien connue de l'idéalisme linguistique. Je risque de participer à ce tournant linguistique qu'a pris la philosophie contemporaine. Je risque de remplacer le paradigme marxien du travail comme source de la philosophie première par le paradigme linguistique aujourd'hui dominant, vous voyez, Habermas. Il me faut donc démontrer qu'en matière de langage, les marxistes ont quelque chose de spécifique à dire, qui justifie mon titre, et que ce quelque chose relève d'une philosophie. Et pour ce faire, il me faut adopter, parmi les innombrables langages théoriques que le marxisme, dans sa diversité, offre, l'un d'entre eux. Voici, couché dans un langage que vous reconnaîtrez, la thèse que j'entends illustrer. Nous avons, en tant que marxistes, besoin d'une philosophie du langage à des fins critiques, en tant qu'instrument de lutte idéologique contre l'hégémonie politico-culturelle de la classe dominante, et à des fins reconstructrices,
car il n'y aura pas d'hégémonie des classes subalternes, ni de construction d'un bloc historique nouveau, sans une philosophie, appelons la philosophie de la praxis, qui prenne en compte le moment linguistique de cette construction, c'est-à-dire la construction à partir du sens commun des classes subalternes et par le travail philosophique du concept, d'un bon sens qui est politique et culturel en tant qu'il est d'abord linguistique. J'ai affirmé dans mon livre qu'à ce jour, il n'y avait pas de tradition de pensée marxiste du langage. C'était là une exagération à des fins polémiques. Car il est au moins un marxiste de première importance, dont vous avez reconnu le langage, que je viens de tenir, et qui non seulement a eu une formation de linguiste, mais s'est jusqu'à sa mort intéressé de près aux questions du langage, et jusqu'à la grammaire de sa langue maternelle. C'est bien sûr Gramsci, et je viens de faire allusion au cahier 25, qui est consacré au problème de la grammaire. Ma seconde section s'intitule donc « Que fait un marxiste lorsqu'il met en pratique une philosophie du langage ?» Je vais tenter de répondre à cette question en relisant deux paragraphes du cahier 6 des cahiers de prison, rédigé entre 1930 et 1932 et composé de notes diverses. Ces paragraphes, intitulés « Il Rinascimento », envisagent la Renaissance italienne comme, je cite, « phase économico-corporative de l'histoire italienne », où il apparaît que ce marxiste, bien connu pour son intérêt pour les superstructures, est bien marxiste, c'est-à-dire conscient de l'existence d'une structure. Gramsci se pose une question historique. Quelle est la place de la Renaissance et de l'humanisme dans l'histoire de la nation italienne, qui, comme on le sait, a dû attendre le Risorgimento, c'est-à-dire le XIXe siècle, pour s'unifier en un seul État? Et cette question se situe dans le cadre d'une réflexion qu'il poursuit tout au long de ses cahiers sur le rôle historique des intellectuels. On sait qu'il donne à cette notion une grande extension, et en particulier sur leur contribution ou non-contribution à l'unité italienne. Le premier de ces deux textes a un sous-titre curieux. Le sous-titre est « Origine de la littérature et de la poésie vernaculaire ». Il envisage donc la question historique par le biais d'une question littéraire. Comme souvent dans les cahiers, le texte se fonde sur une note de lecture du livre d'un certain Ugo Levi, consacré à Ugo Cioni da Lodi et aux anciens poètes lombards, poètes qui, au XIIIe siècle, ont commencé à écrire leur œuvre en langue vulgaire. Le terme « le vulgaire » dans ce contexte fait bien entendu allusion au traité de Dante des Vulgari Eloquentia. Il semble donc que notre marxiste soit convaincu de l'importance politique et sociale des questions de langue et de littérature. Le fait qu'il soit italien n'est pas étranger à cette attitude. Il a en effet affaire à une conception mythique, on évitera de prendre le terme mythique en mauvaise part, qui nous dit qu'en Italie, l'unité linguistique, autour du dialecte toscan, par le biais de la littérature, a précédé de plusieurs siècles l'unité politique, que le texte fondateur de cette langue nationale en attente d'une nation, mais contribuant à créer une forme de communauté imaginée, comme dit Benedict Anderson, est l'œuvre de Dante. L'ironie est que le traité de Dante, justement, qui effectivement prône l'utilisation d'un vulgaire illustre, et qui est la première œuvre de sociolinguistique en ce qu'il donne une des premières descriptions de la diversité des dialectes italiens, refuse explicitement d'attribuer au toscan le rôle de langue nationale. Au début du XIXe siècle, la question est encore en débat, et l'on se souviendra que le chef-d'œuvre de Manzoni, Les Fiancés, en quoi l'on voit généralement la naissance du roman italien, sous la forme d'un roman historique d'inspiration scotienne, fut d'abord écrit dans le dialecte milanais et réécrit 20 ans plus tard en toscan, pour des raisons directement politiques, pour œuvrer à la constitution d'un italien standard. Or, Gramsci a des doutes sur la validité de ce récit patriotique. Dans deux autres paragraphes du même cahier, il souligne que la langue en question, que l'on décide que c'est le toscan ou le vulgaire illustre de Dante, qui était censé être un pot-pourri des meilleures caractéristiques des différents dialectes, n'a pas contribué à l'unité italienne en ce qu'elle était une langue de caste, la caste des lettrés, des intellectuels, et non une langue nationale populaire, sauf en Toscane, si l'on considérait le dialecte local comme l'italien standard. Et à ce titre, qu'elle était incapable de supplanter les dialectes. Pour Gramsci, l'unité linguistique et culturelle n'a pas eu d'influence directe sur les événements historiques.
C'est bien pourquoi l'unité politique a dû attendre le XIXe siècle et le Risorgimento. Dans le cahier 8, au paragraphe 185, intitulé « Phase économico-corporative de l'État », il affirme, contre ce qui est notre sens commun, le caractère réactionnaire de la Renaissance et de l'humanisme italien, dans lesquels il voit la résistance de la culture dominante, qui est principalement celle anti-économique de l'Église, aux tentatives hégémoniques de la bourgeoisie naissante. Ce sont pour lui des symptômes de la défaite provisoire de la classe bourgeoise naissante. Le premier de mes deux textes, c'est-à-dire le paragraphe 116, note que le livre de Lévy cherche à faire de ses poésies en langue vernaculaire lombarde l'embryon d'une nouvelle culture, une culture spécifiquement italienne, apparue dès le XIIIe siècle, c'est-à-dire avant Dante. La réaction de Gramsci est brutale. Cette nouvelle culture, dit-il, n'est pas une culture nationale, mais une culture de classe, qui prend une forme municipale et locale, sans être porteuse d'unité politique et culturelle. C'est pourquoi les poètes lombards écrivent bien dans un dialecte et non dans une langue, dialecte qui n'est jamais devenu hégémonique. Et je vous rappelle que le célèbre concept gramscien a deux origines, une origine marxiste à travers Plekhanov et Lénine et une origine philologique à travers un des maîtres de Gramsci, Ascoli, qui analysait la naissance d'une langue nationale en termes d'hégémonie d'un dialecte sur les autres. En même temps, ajoute Gramsci, ce recours au dialecte réagit contre une universalité linguistique européo-catholique dont la base est en Italie. C'est un thème récurrent chez lui que de noter le caractère cosmopolite des intellectuels italiens au Moyen-Âge et à la Renaissance. Et met au premier plan les intérêts d'une bourgeoisie qui n'est encore ni nationale ni internationale, mais municipale. Ce dont témoignent ces poètes, c'est d'un début de désagrégation du monde culturel ancien, sans que le nouveau bloc virtuellement hégémonique réussisse encore à s'imposer. Le second texte, c'est le paragraphe 118 de même cahier, quitte le texte qui a servi de prétexte à Gramsci et formule sa propre analyse de cette conjoncture historique. Cette désagrégation embryonnaire explique pour lui le caractère contradictoire de la Renaissance italienne, son caractère, je cite, « réactionnaire ». Car derrière ce phénomène historique, pris habituellement comme une unité, Gramsci perçoit deux moments qu'il ne faut pas confondre. Il y a d'abord une rupture avec la culture médiévale, dont le symptôme principal est l'apparition des vernaculaires. Il y a ensuite la tentative d'élaboration d'un vulgaire illustre. Il utilise lui aussi le terme de Dante, mais chacun sait que Gramsci était un lecteur assidu de Dante, qui marque qu'une certaine centralisation s'opère parmi les groupes intellectuels, la caste des lettrés professionnels. Ces deux moments, nous dit Gramsci, ne se situent pas au même niveau. Les vernaculaires apparaissent pour des régions religieuses, ils accompagnent des mouvements hérétiques ou religieux populaires, comme le patharinisme, cette hérésie proche des cathares, apparue à Milan au XIe siècle, et pour des raisons sociales, nécessité du vernaculaire pour les serments militaires et pour les témoignages dans le cadre de procès de la part de paysans qui ne savent pas le latin. Ces vernaculaires apparaissent en ordre dispersé, et le fait important est qu'ils donnent lieu à littérature, même si les textes en question ne sont pas des chefs-d'œuvre. Le second moment, celui du vulgaire illustre, sera atteint, contre les prédictions de Dante lui-même, lorsqu'un de ses dialectes, le toscan, deviendra hégémonique. C'est un fait important qu'il ne faut pas sous-estimer, mais dont il faut reconnaître les limites. Cette hégémonie est littéraire et non politico-sociale. De cette conjoncture linguistique et littéraire de la Renaissance italienne, à quoi il faut ajouter la puissance conservée du latin, dont témoigne l'humanisme, Gramsci donne une analyse de classe. La bourgeoisie naissante cherche à imposer ses dialectes contre le latin, mais ne réussit pas à en tirer une langue nationale. La langue nationale, entre guillemets, reste limitée à la couche des lettrés. C'est une langue de docte ou une langue de cour, aulique, comme on dit en italien, c'est-à-dire limitée à une couche sociale d'intellectuels qui ne sont pas encore les intellectuels organiques de la bourgeoisie. La Renaissance n'est donc pas le moment d'une révolution, ni culturelle ni nationale, mais d'un compromis de classe. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces considérations pour une philosophie marxiste du langage? Je suggère deux propositions réciproques. Première proposition, toute analyse linguistique passe par une analyse de classe. Ce que Gramsci nous dit dans ses textes, c'est qu'il n'y a pas d'histoire indépendante de la langue ou de la littérature italienne.
C'est-à-dire pas d'analyse d'un état de la langue ou de la littérature qui ne donne lieu à une analyse de classe. Qui parle ou écrit dans quel dialecte, à quelle couche sociale, les lettrés, la bourgeoisie municipale ou le peuple appartiennent ces locuteurs ou scripteurs, et dans quelle lutte politique et sociale ces pratiques linguistiques opèrent-elles. Pour Gramsci, la langue et sa littérature sont des vecteurs politiques, porteurs du processus hégémonique dans sa réalisation concrète. Dans notre jargon contemporain, cela veut dire que la philosophie marxiste du langage s'intéressera non à la linguistique interne, mais à la linguistique externe, autrement dit, plutôt le Bourdieu de ce que parler veut dire, ou la sociologie du langage de Marcel Cohen. Pour le dire brutalement, le langage est chose trop importante pour être abandonné aux linguistes professionnels tenant de la science linguistique. Et comme j'ai moi-même enseigné la linguistique anglaise pendant 30 ans, et que je ne suis pas en train, comme on dit, de cracher dans la soupe, cela veut dire que, pour ce qui concerne la discipline, ne pas se limiter à la énième analyse de la portée sémantique des auxiliaires de mode dans le système de langue anglaise, ni se focaliser sur les infinies nuances de sens qui séparent les deux pronoms démonstratifs « this » et « that », mais s'intéresser plutôt à la persistance et au choc des dialectes, par exemple le Geordie de Newcastle ou le Wenglish des vallées minières du sud du Pays de Galles, en opposition à l'anglais standard diffusé par la BBC et sa Received Pronunciation. Qui a vu un film de Ken Loach sait que ces différences dialectales sont aussi des différences de classe, et qui a lu un roman de l'écossais James Kelman sait que ces différences dialectales et sociales font aussi littérature. Et cela veut dire également s'intéresser à la mondialisation de l'anglais et à l'impérialisme linguistique qui l'accompagne. Ici, l'histoire du British Council en tant qu'appareil de l'impérialisme linguistique intéressera le marxiste, mais aussi à tous les mouvements centrifuges qui affectent la langue mondiale, c'est-à-dire ce qui, dans les termes de Deleuze et Guattari, minorise le dialecte majeur. Cela va du développement de New Englishes en voie de séparation avec la langue mère, à l'apparition d'une forme de pidgin mondiale que l'on nomme English as a lingua franca, en passant par la création de littérature postcoloniale que j'aimerais appeler anti-impérialiste. Cette proposition, après tout, n'est pas inattendue. C'est ce qu'on attend d'un marxiste qui, quel que soit le phénomène considéré, produira une analyse de classe. Il se trouve simplement qu'en matière de langage, c'est ce que nous montre Gramsci, une telle analyse s'impose de façon particulièrement claire. J'ai annoncé une seconde proposition, réciproque de la première, et qui constitue l'apport spécifique de Gramsci. Cette proposition se formule ainsi : toute analyse de classe passe par une analyse linguistique, ou encore la lutte des classes est aussi une lutte des langues et dialectes. Comme l'on sait, l'objet de l'analyse de Gramsci est le bloc historique qui constitue la structure économique et sociale et les superstructures, dans une unité contradictoire qu'il exprime sous la figure de la Concordia Discourse. Le bloc historique est le site du processus d'hégémonie, l'objet du processus est précisément sa constitution. L'apport spécifique de Gramsci est que cette Concordia Discourse est exprimée et portée par le langage, et que donc le concept marxiste habituel de formation sociale, de conjoncture historique et de moment de la conjoncture, on doit ajouter, comme je l'ai proposé dans mon livre, les concepts de formation linguistique, état contradictoire d'une langue dans une conjoncture historique, qui exprime et incarne l'état contradictoire des rapports sociaux, de conjoncture linguistique, description de l'état de développement des luttes linguistiques dans une conjoncture donnée. On se souvient de cette formule de Gramsci sans cesse répétée qui dit que les acteurs sociaux et politiques prennent conscience des contradictions de la structure dans les termes des superstructures. Le langage est les luttes dont il est le lieu et l'enjeu et le vecteur de cette prise de conscience. Et de moment de cette conjoncture, c'est-à-dire le moment où les contradictions, qui sont aussi des contradictions linguistiques, deviennent explosives et où surgit l'événement historique. Cette conjoncture et ce moment sont le site de luttes hégémoniques pour la constitution du bloc historique, dans un processus qui fait de la classe dominante une classe dirigeante, et dont Gramsci souligne que c'est un processus pédagogique, c'est-à-dire un processus qui passe par un moment linguistique crucial. Cela veut dire, dans les termes de ma pratique scientifique de linguiste, que le cœur de la discipline n'est pas la syntaxe chomskienne, ni même le processus d'énonciation entendu en termes psychologiques, les phénomènes psychogrammaticaux des Guillaumiens, cognitifs, comme dans la théorie de la métaphore chez Lakoff et Johnson, ou phénoménologiques, comme chez Guglioli, mais une forme de pragmatique politique qui analyse des phénomènes de subjectivation par le langage en termes d'interpellation et de contre-interpellation.
Autrement dit, une philosophie du langage qui ne se fonde pas sur l'idée que le langage est un instrument de communication, qu'il obéit à un principe irénique de communication, comme chez Grice et les pragmaticiens anglo-saxons, et qui engage une philosophie première fondée sur l'échange dialogique, comme chez Habermas, mais qui envisage plutôt le langage en termes de rapport de force et d'agone généralisé. Ma troisième section s'intitule « La conception gramscienne du langage ». Les analyses de Gramsci ne se contentent pas d'une pratique, des analyses concrètes de situations concrètes, comme on vient de le voir. Elles reposent sur une véritable philosophie du langage qui est rendue brièvement explicite dans un texte célèbre qui figure aujourd'hui dans le cahier 11, s'intitulant « Introduction à la philosophie », et qui naguère débutait le recueil thématique intitulé « Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce ». C'est même par ce texte que commençait le recueil de morceaux choisis de Gramsci, publié naguère par les éditions sociales. Comme ce texte intitulé « Quelques points de référence préliminaires » est probablement le plus connu des textes de Gramsci, je me contente d'en extraire un certain nombre de thèses dont l'ensemble constitue, me semble-t-il, l'ébauche d'une philosophie marxiste du langage. Thèse 1. Tout homme est philosophe en tant qu'il est locuteur. Cette démocratie de la philosophie fait honneur à Gramsci. Elle rappelle naturellement la définition de la politique chez Aristote. L'homme est un animal politique en tant qu'il est un animal parlant. Dans le contexte actuel, elle trouve un écho dans l'égalitarisme radical de Jacques Rancière. Thèse 2. Cette philosophie universelle est spontanée. Ce terme renvoie à l'opposition que fait Gramsci dans le cahier 25 entre grammaire spontanée, la façon dont chaque locuteur vit sa langue, ce qui l'amène à corriger autrui ou à se moquer du dialecte des autres, par exemple de leur accent, et grammaire normative, celle qui est inscrite dans les grammaires, enseignée et à ce titre valorisée comme trésor de la langue standard. Thèse 3. Cette philosophie spontanée a trois sites, dans cet ordre qui est une forme de hiérarchie. Premièrement, le langage, deuxièmement, le sens commun, troisièmement, la religion populaire et le folklore. Thèse 4, il en découle que la langue ainsi considérée n'est pas un système synchronique et que son histoire n'est pas celle d'un développement immanent. Souvenez-vous des lois de Grimm et de Werner, le maître direct de Gramsci, Bartoli, était un adversaire des néo-grammairiens. Et donc, cette langue n'est pas, son histoire n'est pas celle d'un développement immanent, mais qu'elle est le vecteur d'une conception du monde. Thèse principale, la langue pour Gramsci est le vecteur d'une conception du monde. Thèse 5, cette conception du monde que porte la langue est incarnée dans le sens commun, lequel se sédimente dans la représentation et croyances populaires, religieuses ou folkloriques. Là se situe la hiérarchie plus haut indiquée. Thèse 6, cette conception du monde n'est pas complètement consciente, et à ce titre elle est imposée au locuteur. C'est la langue qui l'impose, parce qu'elle s'impose au locuteur. Et comment s'impose-t-elle ? On se souviendra des définitions que Barthes donne de la doxa. La doxa, dit-il, c'est ce qui va de soi, et elle colle au lecteur comme un chewing-gum. La métaphore, bien sûr, n'est pas. On se souviendra également du concept d'épilinguistique chez Cuglioli, la conscience inconsciente que le locuteur spontané a du fonctionnement de sa propre langue. Thèse 7. D'où la nécessité de la critique. Critiquer, c'est prendre conscience de la conception du monde héritée pour s'en libérer, et élaborer une conception du monde qui n'est plus spontanée, mais systématique, et à ce titre plus libre. En termes cuglioliens, il y a un moment, celui du linguiste, où on passe de l'épilinguistique au métalinguistique. En termes gramsciens, cela veut dire s'appuyer sur une philosophie, sur le travail du concept, pour transformer ce sens commun linguistique en bon sens. Thèse 8, cette conception explicite du monde, qui marque la libération du locuteur par rapport à sa propre langue, n'est pas pour autant individuel. En termes linguistiques, on dira qu'il n'y a pas d'idiolecte. C'est en cela que Gramsci s'oppose à la linguistique idéaliste inspirée de Croce, qui fusionne linguistique et esthétique. Elle est le fait d'un collectif, ce que dans mon texte Gramsci appelle l'homme-masse. C'est que Gramsci est marxiste, qu'il ne partage pas l'individualisme méthodologique des libéraux. C'est bien pour cela que la langue est au centre de sa réflexion, car la langue est le domaine où l'individualisme méthodologique se casse la figure. On retiendra donc qu'une langue n'est pas seulement un système au sens de Saussure, mais une formation historique, vecteur d'une conception du monde, c'est-à-dire d'une philosophie spontanée, qui sédimente une histoire. Il n'est plus question de reléguer l'histoire sous le nom de diachronie aux marges du système synchronique. On retiendra également un concept non péjoratif de sens commun, qui incarne la philosophie spontanée du locuteur,
en tant qu'il a une activité pratique matérielle par laquelle il agit sur le monde, et la nécessité de dépasser cette philosophie spontanée pour élaborer une philosophie explicite et consciente, rôle que Gramsci attribue aux intellectuels organiques, que toute classe, y compris la subalterne, doit se donner s'il a des prétentions à exercer l'hégémonie. L'hégémonie, cela consiste à passer par une opération que Gramsci nomme catharsis, du sens commun des masses à un bon sens, philosophie pratique consciente et conception du monde capable de nourrir une politique alternative. La quatrième section s'intitule « Chant d'une philosophie marxiste du langage ». Il ne suffit pas d'éternellement relire les classiques du marxisme. Il faut encore montrer qu'ils nous sont de quelque utilité dans la conjoncture actuelle. Pour développer la conception gramscienne du langage, je suggère brièvement trois champs d'intervention. Le premier champ est le champ de la sémantique historique. Il est au cœur de l'intérêt que Gramsci porte au langage. Il ne se lasse pas de dire que ce n'est pas parce qu'il parle de désastre qu'il croit à l'astrologie, ni parce qu'il lui arrive de s'exclamer « per bacco » qu'il a des sentiments religieux païens. On pourrait ajouter qu'utiliser les mots « température » ou « tempérament » ne m'oblige pas à croire encore à la théorie des humeurs. Cette sémantique historique, qui s'attache à désintriquer l'histoire sédimentée dans les mots de notre langage courant, est également au cœur de la conception que Raymond Williams se fait du langage, comme en témoigne son ouvrage « Keywords », qui est un lexique historique des mots de la culture en tant qu'ils sont chargés d'histoire. Et il s'agit ici naturellement de beaucoup plus que d'une étude philologique des étymologies. Cette désédimentation est souvent une urgence politique, car elle participe de la lutte pour les mots de la politique. Nous savons tous, et depuis longtemps, que la lutte idéologique est une lutte pour les mots, pour leurs acceptions justes, pour les métaphores, pour les slogans efficaces. D'Éluard ou de Sartre à Berlusconi, dont le parti s'intitule actuellement « Popolo della Libertà », par une opération d'inversion sémantique caractéristique de la nouvelle langue néolibérale, le mot « liberté » n'a pas le même sens, et nous ne pouvons pas nous contenter de l'abandonner aux constructions sémantiques du libéralisme. Et une de nos tâches politiques principales est de critiquer le mot « démocratie » tel qu'il est utilisé dans le contexte politique dominant, où le terme désigne une forme à peine déguisée de oligarchie, et de reconstruire ce que nous pouvons et devons entendre par ce terme, comme le fait par exemple Jacques Rancière dans son élaboration d'une conception radicalement égalitariste de la démocratie. Ce travail de sémantique historique n'a donc pas seulement valeur critique. Il présente une grande urgence politique que Gramsci avait déjà saisie. Souvenez-vous de l'apparition dans sa conception du langage d'un concept non péjoratif de sens commun. Dans des passages plus élaborés des cahiers, Gramsci décrit le versant linguistique du bloc historique en trois strates. La philosophie consciente et ses concepts, élaborés par les intellectuels organiques du bloc ascendant. La philosophie de la praxis en est le meilleur exemple. Le bon sens, philosophie pratique conçue de manière entièrement positive, par lesquelles les concepts se transforment en mythes et slogans, c'est-à-dire en guide pour l'action. Et le sens commun, dans lequel les mythes se sédimentent en archétypes et clichés et se fixent dans la langue. Il arrive même à Gramsci de doubler la tripartition philosophie, bon sens, sens commun d'une autre tripartition, savoir, comprendre, ressentir. L'objectif de la philosophie de la praxis est de combiner dans le comprendre du bon sens le savoir de la science et du concept et le ressentir du sens commun. La sémantique historique est l'outil qui permet de penser le moment du mythe, c'est-à-dire le moment où le locuteur, agent politique, et tous deux sont des collectifs et non des individus, retrouve la force du mythe qui l'incite à agir sous la sédimentation du cliché, au moment où il prend conscience de la structure du bloc historique à travers le langage de la superstructure. La lutte idéologique est donc bien une lutte pour s'approprier et se réapproprier les mots et les métaphores. Le second champ d'intervention d'une philosophie marxiste du langage est le domaine de la subjectivation par interpellation. Pour des raisons assez claires, la partie de la science linguistique dont le philosophe marxiste du langage est le plus proche, je parle de moi bien entendu, est ce qu'on appelle la pragmatique, et dont la théorie des actes de langage est une partie essentielle. Le problème est que cette pragmatique a son origine dans une variante de la philosophie anglo-saxonne, associée au nom de Austin, Searle et Grice, qui combine l'intentionnalisme, le sens de l'énoncé est donné par l'intention de sens du locuteur, et l'individualisme méthodologique, le site de la compétence linguistique et le locuteur individuel, le nom même de compétence qui appartient à Chomsky, le montre,
c'est un recul par rapport au collectivisme méthodologique de Saussure. On suivra sur ce point la critique des postulats de linguistique contenus dans le quatrième plateau de 1000 plateaux de Deleuze et Guattari, avec leur concept d'agencement collectif d'énonciation et de slogan comme énoncé de base, le terme de slogan étant explicitement emprunté à Lénine. Là se trouvent les bases d'une pragmatique marxiste. Cette pragmatique se fonde sur deux idées. La langue, et il faut entendre par là non le langage général, mais une ou des langues naturelles, est, avant de donner lieu à l'abstraction d'un système, abstraction plus problématique que les linguistes ne veulent nous laisser croire, un ensemble de pratiques. Dans mon ouvrage, j'ai soutenu que ces pratiques étaient matérielles, sociales, historiques et politiques. Les phénomènes langagiers se matérialisent sous la forme d'actes de langage, qu'il ne suffit pas de classer dans une taxinomie, comme le fait Searle, mais qu'il faut replacer dans leur contexte social, historique, etc. Et, deuxième idée, l'effet de ces actes de langage est d'interpeller des individus, tous les individus, c'est-à-dire tous les individus parlants, en sujet. Vous avez reconnu là une version langagière de la seconde théorie althusserienne de l'idéologie. Vous vous souvenez de la chaîne althusserienne de l'interpellation. Un appareil idéologique d'État s'incarne dans les institutions qui ont une existence matérielle et immatérielle, qui donne lieu à des rituels incarnés dans des pratiques. Au bout de cette chaîne sont interpellés des sujets. Il me semble qu'il manque un élément avant que le sujet soit constitué par interpellation. Les actes de langage par lesquels la force illocutoire de l'idéologie qui interpelle est véhiculée, ce qui veut dire l'interpellation implique de l'affect et elle n'est pas affaire de psychologie. L'origine de cette conception, on le sait, est pascalienne. Mettez-vous à genoux et priez et vous finirez par croire. L'agenouillement aide certainement, mais les mots de la prière sont indispensables. Je propose donc d'ajouter un maillon de plus à la chaîne de l'interpellation et d'insérer l'acte de langage entre la pratique, laquelle n'est pas uniquement linguistique, et le sujet interpellé à sa place. Ainsi, on aura un appareil, laïque scolaire, avec ses institutions, par exemple une université, ses rituels, par exemple un séminaire, ses pratiques, par exemple une intervention et une discussion, lesquelles consistent principalement en actes de langage. Et comme les notes d'Althusser sur l'interpellation sont restées à l'état d'ébauche, comment diable cette interpellation opère-t-elle, comment réussit-elle à toujours réussir, il me semble que la tâche principale d'une philosophie marxiste du langage est d'élaborer une théorie de l'interpellation. Dans un ouvrage non traduit en français, Interpretation as Pragmatics, j'avais naguère proposé le début d'une telle théorie sous la forme de 10 maximes, dont je vous rappelle brièvement quelques-unes. Maxime numéro 1, l'interpellation est linguistique. Ce qui circule le long de la chaîne est un affect porté par le langage, une force inopitoire. Souvenez-vous du célèbre « Omar m'a tué » avec la faute d'orthographe. Maxime numéro 2, l'interpellation est grammaticalisée. L'interpellation se fait par nomination, l'imposition ou la revendication d'un nom, mais pas seulement. Chaque langue a ses marqueurs d'interpellation, par quoi j'entends beaucoup plus que le mode impératif, par exemple les systèmes de pronoms personnels, d'articles et de diéctiques. Maxime numéro 3, l'interpellation est un processus continu, aussi interminable que l'analyse freudienne. Il y a donc une sédimentation d'interpellation, qui constitue un sujet jamais achevé, et qui est la sédimentation des actes de langage interpellants. Ou encore, l'interpellation n'est pas un événement au sens de Badiou, c'est-à-dire un éclair dans un ciel serein aussitôt disparu, même s'il laisse des traces et engage une procédure de vérité. Maxime numéro 4, l'interpellation subjectifie plus d'un sujet, ou encore elle fonctionne dans les deux sens. Car le locuteur qui énonce l'acte de langage interpellant, en bout de chaîne, est autant interpellé par lui son auditeur, objet explicite de l'interpellation. Autrement dit, dans la scène primitive de l'interpellation althusserienne, il n'y a pas que lui qui se retourne en entendant le coup de sifflet et qui est interpellé, mais également l'agent qui siffle. Vous reconnaissez ici les analyses inspirées par la lecture d'Althusser, des paroles de haine, hate speech, dans Excitable Speech de Judith Butler. Maxime numéro 5, l'interpellation n'est pas seulement continue, elle est composite, et la stabilité du sujet interpellé est le résultat d'une composition de forces illocutoires. Les chaînes d'interpellation sont multiples, comme sont les appareils idéologiques d'État qui en sont les origines. Encore plus multiples, si j'ose cette expression, sont les rituels qu'ils appellent et les pratiques dans lesquelles ces rituels s'incarnent. Il suffit que je lise mon passeport pour me souvenir que je suis interpellé en tant que membre d'une famille,
d'une nation ou ethnie, d'une génération, d'une profession, etc. Le problème du monstre de Frankenstein est qu'il est incapable d'obtenir un passeport et que donc il n'est pas un sujet, faute de bénéficier des interpellations nécessaires. Ce qui est une façon d'introduire le maxime 6 sur la fragilité de l'interpellation. Je vous renvoie ici, outre au monstre de Frankenstein et à tous ses collègues, les personnages de la littérature fantastique, aux vies précaires analysées par Guillaume Leblanc. Maxime numéro 7, il n'y a pas d'interpellation sans contre-interpellation. Je propose ce terme qui est largement anticipé dans les travaux de Judith Butler pour répondre à l'accusation de déterminisme réducteur souvent adressée à la théorie industrielle de l'idéologie. Comme le montre le cas du hate speech, le sujet interpellé, puisqu'il n'est jamais le seul à l'être, n'est ni passif ni sans défense face à l'interpellation. Précisément en ce que celle-ci constitue un sujet, c'est-à-dire en fait un locuteur. Une nomination infamante se retourne contre son auteur ou s'adopte comme un drapeau. Et il ne s'agit pas seulement de contre-interpeller le locuteur de l'acte de langage interpellant. À travers lui, c'est la langue dans laquelle il est formulé et l'institution dans le cadre de laquelle il est formulé qui se trouve interpellée. On appelle dans certaines circonstances poésie cette contre-interpellation de la langue. Le troisième champ dans lequel la philosophie marxiste du langage peut et doit intervenir est bien connu, et je peux être bref, c'est en gros le champ du géopolitique de la langue, le champ de l'agone des langues et des dialectes, qui a beaucoup intéressé Gramsci, du colonialisme et de l'impérialisme linguistique. Puisque je suis angliciste, je vais prendre l'exemple du British Council, et je vous rappelle deux faits qui ne sont pas de simples anecdotes. Il y a quelques années, les officines du British Council ont liquidé leurs bibliothèques et leurs programmes littéraires et culturels pour se consacrer à l'enseignement de l'anglais comme langue étrangère. J'y vois non pas tant une rationalisation néolibérale à des fins d'économie, mais la conscience que la langue est directement une arme politique et qu'elle n'a même plus besoin de se parer des oripeaux de la culture dont elle est vecteur pour interpeller les locuteurs étrangers en sujet de la grande anglophonie mondiale. L'urgence n'est pas de diffuser la culture britannique, de transformer un maximum de locuteurs en locuteurs de la langue de l'impérialisme. Et je suis conforté dans cette idée par le second fait qui est historique. Dans les années 30, lorsque fut créé le British Council, c'est en Égypte et au Portugal qu'ils déployèrent les efforts les plus intenses. Pourquoi ? Parce que ces deux pays étaient le lieu d'une activité de propagande politique et culturelle de la part des gouvernements italiens et allemands. Une des tâches de la philosophie marxiste du langage dans ce cas précis, qui est une tâche directement politique, et de critiquer la fiction de l'anglais que porte l'institution du British Council, mais qui est aussi au cœur de la pratique pédagogique d'institutions scolaires dans tous les pays de notre congrès. C'est-à-dire d'opposer l'anglais standard, construit comme unique, stable, systématique, hors histoire, abstrait, c'est-à-dire n'existant guère que dans les grammaires et la BBC, et à ce titre enseignable, à la multiplicité des anglais, lesquels sont multiples, chaotiques ou seulement partiellement systématiques, multipliant les exceptions aux règles de grammaire, changeant, concret, parce que parlé par la grande masse des locuteurs réels, et pratiqué, sinon enseigné. La proportion des locuteurs anglophones qui parlent anglais standard que l'on enseigne est infime. Et par multiple, on entendra la multiplicité des langues en séparation, ce qu'on appelle les New Englishes, les dialectes régionaux, les dialectes sociaux, les dialectes de génération, par rapport, par exemple, cette estuary English qu'affectait la princesse Diane, les jargons et les registres, sans parler des genres de discours et des styles, et avec le style, nous sommes arrivés à la multiplicité ultime, celle des idiolectes. Conclusion. Il est temps de conclure. Je vous propose deux conclusions. La première est qu'un des objectifs de la philosophie marxiste du langage est de compléter une théorie d'interpellation par ce que l'on pourrait appeler une grammaire de l'interpellation. Car une philosophie du langage, quelle qu'elle soit, se doit aussi de traiter du concret des phénomènes, même si la philosophie marxiste du langage ne croit pas vraiment à un système de la langue au sens de Saussure. Les règles de grammaire sont en fait des maximes défaisables et non des lois de la nature. On pourra donc esquisser une liste des marqueurs grammaticaux auxquels le processus d'interpellation fait appel. En voici quelques-uns, et naturellement la liste n'est pas exhaustive. Premièrement, la focalisation. Dire « c'est l'immigré qui », trois petits points, c'est transformer l'immigration en problème. Je vous renvoie sur ce point au texte de Rancière dans ses récents moments politiques. Deuxièmement, la détermination. De un immigré à les immigrés à l'immigré, on voit opérer le racisme et la xénophobie tels qu'ils s'appuient sur le fonctionnement des langues.
ce qui ne veut pas dire bien entendu que la langue est raciste, mais qui aide à comprendre la célèbre et scandaleuse formule de Barthes qui, comme vous le savez, disait que la langue est fasciste. Troisièmement, les transformations grammaticales, comme la passivation ou les nominalisations, qui créent des entités, on appelle parfois cela des métaphores anthropologiques, et assignent ou dégagent des responsabilités. Il y a ainsi une histoire politique du passif, c'est-à-dire de son exclusion par les traités du bien écrire, ou par les maximes destinées à combattre la langue de bois, comme chez Orwell. Je vous renvoie sur ce point à l'œuvre de Press and Roach, les disciples du linguiste marxiste australien M.A.K. Halliday. Je prends un seul exemple qui concerne la focalisation. Vous vous souvenez de la fameuse formule qui a politiquement beaucoup coûté à Michel Rocard, « La France ne veut pas accueillir toute la misère du monde ». Les défenseurs de Rocard prétendent que la condamnation est injuste car la citation est tronquée. Et de fait, il a dit « La France ne veut pas accueillir toute la misère du monde, même si elle doit en prendre sa part ». Cette défense ignore l'opération linguistique de focalisation, dont l'effet apparaîtra clairement si je répète la phrase en changeant la focalisation. La France doit accueillir sa part de la misère du monde, même si elle ne peut pas l'accueillir toute. La politique énoncée ici n'est pas la même que celle de Rocard. Deuxième conclusion. On pourra tirer de ces analyses pragmatico-grammaticales une description de la nouvelle langue néolibérale et de la langue politique qui la double, et qui ne consistera pas simplement en analyse sémantique de mots, même si, à la suite de Gramsci et de Raymond Williams, nous n'ignorons pas leur importance. On pourra donc suggérer, et pour terminer, la langue dans la joue, comme disent les Anglais, quelques maximes pragmatico-sarkoziennes. La maxime de la langue de coton, déjà bien décrite, et qui fait disparaître les mots qui fâchent, par exemple le mot grève, mais non la réalité qu'elle désigne. Les faits sont têtus et ils reviennent. La maxime de l'irresponsabilité référentielle, qui sépare les mots des choses et les fait flotter dans l'éther de la communication médiatique. Ainsi, le jour même où l'affaire Jean Sarkozy a été rendue publique, Sarkozy a osé prononcer un discours sur l'éducation républicaine comme pépinière de méritants qui doivent leur carrière à autre chose que leur nom de famille. La maxime de l'autonomie systématique, la loi LRU dite de responsabilisation des universités, organise l'irresponsabilité des universitaires. Orwell notait déjà que lorsqu'on terrorise une population civile en bombardant ses villages, on appelle l'opération pacification. La maxime du pathos narratif, je vous envoie au texte de Christian Salmon sur l'utilisation des histoires et des techniques de la narratologie dans un contexte de management économique ou politique. La maxime de la répétition impudique ou du mensonge flagrant, depuis Goebbels jusqu'à Berlusconi, et l'on relira l'œuvre de Victor Klemperer. La maxime de la sidération du signifiant, du « I like Ike » de la campagne électorale d'Eisenhower, que Jacobson cite comme un exemple de la fonction poétique du langage, à cette récente publicité pour les légumes en conserve, « Le meilleur est à l'intérieur ». Jolie rime, mais de fait, il m'arrive rarement, quand je consomme des petits pois en boîte, de manger la boîte. La maxime, enfin, de la saute de registre, qui capte l'énergie linguistique du sens commun subalterne au profit de l'hégémonie politique. Cela va de « on va le nettoyer au Karcher » à « casse-toi, ouvre-front ». Mais vous savez déjà tout cela, qui fait partie de notre vie politique quotidienne. Cela veut dire simplement que la philosophie du marxisme du langage a devant elle un riche champ d'études. Et cela veut dire qu'il y a effectivement place pour une pensée marxiste du langage. Je l'appelle philosophie parce que dans le cadre de la philosophie de la praxis, le langage, comme un des quatre domaines des relations sociales, les trois autres sont les relations économiques, politiques et culturelles, a été pensé et doit continuer à être pensé par les marxistes. Je vous renvoie sur ce point à la lecture de Gramsci que l'on trouve chez André Tozzel et chez le marxiste italien Giuseppe Prestipino. Et je vous remercie de votre patience. Merci. Pour des questions, d'éventuelles interventions, des précisions, la parole est à vous. Question à laquelle je n'ai pas répondu, je n'ai pas compris du tout, mais sans doute ça vient de... On vous entend pas. L'appareil ne marche pas. J'ai absolument pas compris ce que vous appelez interpellation. Non, mais je suis sans doute bête. Mais... Non, mais c'est. Et en second lieu, j'ai pensé est-ce qu'il y a besoin d'une philosophie pour comprendre que, par exemple, les nouveaux mots qui sont jetés en pâture dans l'opinion publique, comme par exemple oxymore, c'est un truc qui a été lancé, je crois, par Michel Onfray, je crois, l'oxymore. Alors, c'est-à-dire les. L'obscure clarté qui tombe des étoiles, enfin, est-ce que ça ne permet pas de faire passer des actions politiques qui autrement ne passeraient pas? Tout devient relatif. Voilà.
L'interpellation est un concept qui ne m'appartient pas, puisque c'est un concept qu'on trouve dans la seconde théorie de l'idéologie de Louis Althusser. C'est fondé sur c'est illustré, si vous voulez, par une scène primitive qu'il évoque ainsi. Vous vous promenez dans la rue et derrière vous, vous entendez le sifflet d'un agent. Et immédiatement, vous vous retournez comme si c'était vous qui étiez sifflé. Alors cette réaction, il s'agit non uniquement d'illustration, on va pas prendre ça comme au sérieux, mais cela illustre, dit-il, le processus par lequel l'idéologie fabrique des idées, et par lequel l'idéologie fait de tout individu des sujets. Alors il y a donc la théorie de l'interpellation, c'est le processus qui est au centre du fonctionnement de l'idéologie filiale du cerf. Ce que j'essaye d'ajouter à cette théorie de l'interpellation, c'est un versant linguistique. La théorie de l'interpellation chez Althusser fonctionne sur une sorte de chaîne qui commence par des appareils idéologiques d'État, alors l'université en est un. Ces appareils idéologiques d'État s'incarnent dans des institutions, l'école en général est un appareil idéologique d'État, l'université est une institution qui appartient à cet appareil idéologique d'État. Ces institutions produisent des rituels. Ce qui nous réunit aujourd'hui, qui s'appelle séminaire, est un de ces rituels propres à l'université. Et ces rituels impliquent des pratiques. Et je suis en train nous sommes en train, en discutant, d'entrer dans une de ces pratiques que le rituel du séminaire demande. Ce que j'ajoute à ça, c'est que ces pratiques, et en fin de course, il y a des sujets qui sont interpellés, des individus qui sont interpellés en sujet, ce que j'ajoute, c'est que ces pratiques s'incarnent dans des actes de langage et que ce qui interpelle l'individu en sujet, c'est une force et notre pouvoir porté par des actes de langage. Alors voilà ce que c'est l'interpellation. Ce concept, naturellement, a été extrêmement critiqué. J'en défends une forme, de façon peut-être un peu attardée, une forme linguistique. Quant à la question plus générale, est-ce que nous avons besoin d'une philosophie du langage ? J'essaie de répondre, une philosophie marxiste du langage, j'essaie de répondre que oui, et ça c'est... Alors, une philosophie du langage, je pense, de toute façon, on en a besoin, et c'est fondé sur ma pratique d'enseignant de la linguistique anglaise. J'ai, pendant 30 ans, enseigné la linguistique anglaise dans une université parisienne, et à force de pratiquer ces analyses très fines de la grammaire de la langue. Et ici, c'est ici qu'il ne faut pas que je crache dans la soupe, parce que c'est un fait que la finesse des analyses grammaticales de la langue anglaise à notre disposition, grâce au travail des linguistes et des grammariens, est infiniment plus grande maintenant que lorsque j'étais étudiant il y a 40 ans. Donc il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre d'avancée scientifique ou de progrès. Néanmoins, je remarque que, ces analyses très fines reposent en général sur des considérations générales sur le langage qu'on trouve dans les 5 premières pages du traité moyen de linguistique et qui, elles, sont relativement faibles, conceptuellement faibles ou qui relèvent de la doxa de la communication. Le langage, c'est un instrument de communication, etc. etc. La conséquence de ça, c'est qu'un certain nombre de phénomènes langagiers, peut-être même la majorité des phénomènes langagiers, échappent au concept de la linguistique ou de la grammaire. Alors il nous faut une philosophie du langage pour essayer de nous permettre de penser la totalité des phénomènes qu'on entend sous le nom de langage. Alors est-ce qu'il nous faut une philosophie marxiste du langage ? J'ai essayé de montrer qu'il nous en faut pour développer une forme d'analyse des phénomènes langagiers qui nous aide dans la lutte idéologique. Vous évoquez la question de l'oxymore, le terme d'oxymore. Qu'est-ce que c'est dans le langage politique qui fait un oxymore ? C'est une métaphore. Alors, une métaphore, ça s'impose, ça, on lutte pour une métaphore, on cherche à l'imposer à ses adversaires, on cherche à la faire passer dans le sens commun. Donc il y a une lutte pour les mots. C'est pour ça que je dis qu'un des champs de la
la philosophie marxiste du langage. Quand je dis ça, c'est quelque chose que j'emprunte à Gramsci et à Williams, c'est la sémantique historique, c'est-à-dire d'où viennent ces mots, quelle est leur histoire, comment est-ce que cette histoire s'est sédimentée et comment on peut, à partir de cette... de la prise de conscience de cette histoire, lutter pour ou bien changer les métaphores, ou bien pour démystifier les métaphores de l'adversaire. Merci. Juste un point technique, donc un volontaire s'est manifesté pour le micro, donc vous allez, si vous posez une question, parler dedans. Pour des questions d'enregistrement, c'est mieux, merci d'avance. La parole est de nouveau à vous. Monsieur, si vous pouvez. Bien, monsieur, prends ce micro. Vous avez fait état de la nécessité du langage dans la lutte idéologique. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que le langage en tant que tel, c'est porteur d'idéologie, selon Gramsci. Mais en lisant Marx, on dit que Marx fait souvent œuvre de science. Donc, il a rompu avec l'idéologie. Et en analysant même la société communiste, c'est une société qui ne peut pas ne pas être porteuse d'idéologie. Elle a des valeurs et qui sont purement idéologiques. Maintenant, la question que je voulais vous poser est la suivante. À quel moment, par exemple, le langage tel que vous l'avez analysé rompt avec l'idéologie pour être purement un langage scientifique? Ok. Merci. La langue est liée aussi, enfin, liée à la littérature. J'opérerai un léger déplacement de la langue à la littérature. Dans son livre intitulé « La connaissance de l'écrivain la littérature de la vérité et la vie », je crois que c'est le titre, Jacques Ouvresse cite, je crois, si je ne me trompe pas, un livre que vous auriez écrit avec Justin Pall, je crois, page 131. Et alors, vous auriez écrit un livre intitulé « L'emprise des signes », bon, pas l'emprise des signes, mais l'emprise des signes. C'est vrai, il n'y a pas de conditionnel, c'est vrai. Bon, alors c'est exact. Alors, il semble qu'il vous reproche de considérer que la littérature, que le message premier de la littérature porte sur la langue avant de parler du dans la mesure où Ouvresse, dans ce livre qui est tout à fait passionnant, soutient la thèse que la littérature contient une connaissance et une vérité qu'il met en rapport, lui, dire dans cette classe avec la philosophie morale. Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez, et aussi, plus fondamentalement, comment vous pouvez articuler langue et littérature d'un point de vue marxiste. Okay. Oui, je voulais vous demander, la plupart des intellectuels marxistes au XXe siècle sont des intellectuels qui viennent de la bourgeoisie pour une grande part, qui viennent donc de rituels tout à fait précis, d'un langage tout à fait précis, un langage très sélectif pour l'université et autres. Et quand on regarde du côté du mouvement ouvrier, on a très peu d'intellectuels issus du mouvement ouvrier. On a Proudhon, on a quelques autres intellectuels, mais en général, à 95%, ils suivent le langage, les rites de ceux qui ont épousé, si je puis dire, le marxisme, qui s'y sont adonnés et qui en sont les leaders. Alors, dans le mouvement ouvrier, on n'a pas eu cette production d'une philosophie du langage, on n'a pas eu du tout cette production qu'avait fait la bourgeoisie au XVIIIe siècle, qui, elle, au moment de la Révolution française, est déjà tout à fait prête avec son langage, avec ses concepts, avec ses éléments, ses concepts fédérateurs. Et je me demande si ce manque, ce vide dans le mouvement ouvrier, entre guillemets, je me demande respectueusement si c'est pas ce qu'a créé la bureaucratie, qui, elle, est venue combler un vide en créant un langage qu'on retrouve dans toute l'administration stalinienne, qu'on retrouve également dans l'administration du Goulag, qu'on retrouve dans les camps, et qui est peut-être le fait des dictatures, c'est-à-dire que quand il y a un vide, eh bien, il faut qu'il soit comblé, et effectivement, la bureaucratie totalitaire est tout à fait là pour le combler et rassurer. Enfin, j'ai essayé de m'expliquer au mieux, mais je me suis toujours posé la question, pourquoi le mouvement ouvrier a donné si peu d'intellectuels de lui-même, ou alors il en a donné, mais qui ont toujours épousé, ou qui ont été dans le sillage des intellectuels issus de la bourgeoisie. Lukács est fils de banquier, Lénine n'est pas fils d'ouvrier, pour en trouver, c'est très rare, quoi. Par contre, Staline, lui, n'est pas du tout fils de la bourgeoisie, et quand on regarde bien la bureaucratie qui l'entoure, quand on regarde bien au niveau des criminologues, on voit très bien au niveau du Kremlin, la plupart de ceux qui l'entourent pendant une certaine période,
celle du totalitarisme fou, sont des personnes qui, justement, ont comblé ce vide avec un langage qui leur est propre. Voilà. On en pose encore quelques questions à nos invités et on va les laisser répondre. Vécu profond, anecdote héroïque et vraie question, vécu profond, j'étais témoin, comme il est, de ce massacre qui consistait en ce que c'était l'université de Cambridge qui donnait des cours à Paris, Constantine, Place des Invalides, etc. Vous avez encore un drapeau britannique et un drapeau canadien, côte à côte. Après, c'est devenu ULIP, l'Université de Londres à Paris. Il y avait une réforme tous les 6 mois. C'était une sorte de concentré de cirque néolibéral. Et on a vu du jour au lendemain, alors qu'il y avait des cours de traduction où certains qui étaient plus anglophones qu'un anglais natif venaient sur des cours depuis 10 ans, on a vu du jour au lendemain des vrais professeurs qui ont fait leur grève de 3 mois, qui ont été battus, qui avaient un bagage qui ressemblait à nos capétiens, à nos agrégés, etc., qui citaient Shakespeare tout en apprenant l'anglais aux gens qui avaient devant eux, remplacés par des sortes de Mickey sortis on ne savait où, qui souvent des Américains, mais c'est pas pour ça qu'ils étaient mauvais, mais qui nous racontaient que le drame en famille, c'était que ma sœur était pour, et pour Hillary, moi je suis pour Obama, et qui faisait de l'anglais basique, comme on fait chez Bernice. Ça, c'était vraiment affreux. C'est quand le British Council dont vous avez parlé a pris la haute main et a dit c'est nous maintenant qui donnons des cours, ce ne sont plus les vrais professeurs qui coûtent trop cher. Deuxièmement, je me permettais de feuilleter un livre, évidemment, c'était en rapport avec ce que vous disiez. Entre 1000 anecdotes sur les rivalités des dialectes italiens, Vasari a repris un thème qui, à la Renaissance, était très présent pour sanctifier la puissance toute neuve des Médicis. Alors, outre quelques plaisanteries sur la possibilité d'une préséance historique de l'art des Étrusques sur l'art des Égyptiens et l'art des Chaldéens, sur le fait qu'à Florence, l'air est finalement meilleur, c'est pour ça que les gens les sont plus déliés. Présenter Florence comme une nouvelle Athènes, il se réfère plus ou moins aussi à une plaisanterie que vous devez connaître d'un certain Gian Boulari qui a écrit un livre qui s'appelle Mugello. Et dans ce livre, l'auteur va jusqu'à imaginer que Noé aurait fait un tour, en fait, peu connu, mais un tour par la Toscane, et qu'il aurait donc donné la proto-langue, la vraie langue rationnelle, plus encore rationnelle que le grec, si c'est possible, à ceux qui furent les Étrusques et qui évidemment sont les ancêtres quasiment directs des Florentins, ce qui prouve que Florence doit vraiment dominer l'Italie et Toscan doit dominer l'Italie. La vraie question maintenant, troisièmement, c'est la suivante. Elle est énorme, mais on est là pour les poser. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, vous, éminent spécialiste, cher collègue ami, de cette omniprésence qui à l'évidence accompagne, mais ça ne doit pas être une seule coïncidence, le néolibéralisme, cette omniprésence des philosophies du langage, c'est les départements de philosophie américains. Regardez sur Internet si vous pensez que je plaisante, où vous avez 18 professeurs qui s'occupent de théorie du langage, de logique, de théorie de la connaissance, mais surtout version partie de la théorie de la connaissance qui s'occupe du langage, et 2 personnes qui sont confiées les 2500 ans d'histoire des idées, un pour la Grèce et puis l'autre pour tout ce qui tourne à partir du Moyen-Âge. Qu'est-ce que vous pensez de cet impérialisme insupportable qui fait fuir les Italiens, d'ailleurs, sous beaucoup de latitude? Merci. C'est sur à quel moment est-ce que le langage qui est porteur d'idéologie va rompre avec l'idéologie pour être un langage scientifique? Alors ça pose la question de à quel moment est-ce que on passe de notion idéologique à une science. Alors ça, c'est à l'histoire des sciences de le dire. Il y a naturellement dans notre culture marxiste des élaborations théoriques de ça, en particulier chez Althusser, mais on ne peut pas concevoir ça de façon globale, c'est-à-dire que le langage, ça n'est pas une unité à ce niveau. Il y a des langages, et donc dans la mesure où chaque locuteur parlera une langue maternelle et sera interpellé par elle,
il y aura toujours cette. Je suis en train de passer de la position d'Althusser sur la coupure épistémologique qui nous fait passer d'une idéologie à une science. Je suis en train de passer. Le programme chic doit faire le lien et qui est le moment essentiel qui permet l'action politique et la construction de l'hégémonie, il y a le bon sens, c'est-à-dire le moment où le savoir sort le sens commun de sa simple sédimentation historique et le transforme en outil pratique. Donc vous voyez qu'il y a du langage à trois niveaux. Il n'y a pas simplement l'idée qu'on va aller au communisme et quand on sera arrivé au communisme, il n'y aura plus d'idéologie et on parlera plus du langage de la science. Il y a des strates de langage diversifiées et il y a une lutte à mener pour. C'est pour ça que Gramsci parle d'hégémonie comme d'un phénomène pédagogique. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu, mais j'ai essayé. La deuxième question, c'est. Alors j'avoue que j'ai effectivement. Je ne sais plus où est le collègue, c'est vous qui m'avez posé la question. J'avoue que j'ai effectivement commis ce livre avec Ronald Schusterman qui s'appelle L'emprise des signes. Et que, effectivement, alors que. Alors, ce livre est conçu sur le mode d'une scène de ménage, c'est-à-dire que mon collègue et ami et moi-même avons sur la littérature et le lien entre la littérature et la connaissance des opinions totalement différentes. Parce que moi je suis un critique en tant que théoricien littéraire, je viens d'une tradition continentale, pas seulement marxiste mais continentale, et que mon collègue est américain, lui vient plutôt d'une tradition analytique et anglo-saxonne. Et donc l'objet de notre différent, amical mais ferme, est-ce que la littérature a une fonction cognitive? Est-ce qu'il y a de la connaissance? Je soutiens, moi, que la littérature produit de la connaissance. Lui, il soutient que la littérature est un jeu et que si on veut de la connaissance, il faut s'adresser à la science. Alors, que Gouvresse soit plus proche de lui que de moi, ça me paraît clair. Puisque Gouvresse, comme vous le savez, je ne vous l'apprends pas, est le représentant français de la philosophie analytique, etc. Et il est vrai que ce que mon collègue me reproche, et ce que donc, d'après ce que vous dites, j'ai feuilleté ce livre, et effectivement, à la page 131, il va y avoir une note où mon nom est évoqué, c'est que je soutiens que la littérature produit de la connaissance, mais est produit d'abord de la connaissance sur la langue. Je soutiens qu'il n'y a pas de littérature qui ne soit une mise en pratique de la langue qui nous apporte de la connaissance sur la langue. Écrire littéralement, c'est pour ça que je suis dans l'université un défenseur de l'enseignement de la littérature dans les départements de langue pour éviter la simple bernisation, ce que Jean Salem décrivait tout à l'heure. Le passage, si vous voulez, du British Council d'un enseignement culturel appuyé sur une bibliothèque littéraire avec des cours de littérature à de simples cours de langue, c'est-à-dire le passage à Berlitz, est pour moi une forme de tragédie. Donc la littérature a une fonction cognitive, d'abord parce qu'elle nous rend conscients de notre pratique de la langue, parce qu'elle nous permet d'explorer les recoins de la langue dont nous n'avons pas conscience toujours. Autrement dit, la littérature est une façon de nous faire passer du simple, ce que Cuneoli appelle l'épilinguistique, c'est-à-dire la conscience vague ou inconsciente que nous avons de notre langue puisque nous la pratiquons, à une forme plus consciente. Autrement dit, c'est pour la littérature, dans les termes marxiens, c'est pour moi une façon de passer du sens commun de la langue à une forme de bon sens. Cela étant, je soutiendrai, et je soutiens d'ailleurs contre mon collègue américain, mais peut-être pas contre Gouvresse, que ça n'est pas la seule fonction cognitive de la littérature. La littérature nous donne une connaissance plus large que ça, et nous donne une connaissance de l'expérience, du monde, de l'altérité, etc. etc. Donc là-dessus, on pourrait développer très longtemps. Je ne soutiens pas, si vous voulez, une vision formaliste de la littérature par une forme de modernisme exacerbé, il dirait que la littérature, c'est ça touche à la langue et uniquement à la langue. Précisément parce que je suis marxiste et parce qu'il y a du hors-texte, je pense que la littérature a une fonction
de connaissances, également du monde. Alors ça ne m'oblige pas à aller jusqu'à soutenir le réalisme socialiste dans ses versions du monde soviétique, mais ça peut-être, ça implique de ma part une tentative de repenser le concept littéraire de réalisme. C'est-à-dire qu'il y a, effectivement quelque chose dans la littérature, dans le monde, dans la littérature, nous importe la connaissance. Alors, troisième question, les intellectuels issus du mouvement ouvrier et le fait qu'il n'y en a pas eu et que la langue de bois de la bureaucratie a remplacé cette absence. Alors, je suis en fait relativement d'accord avec ce genre d'analyse. Le problème, c'est effectivement... alors, on peut décrire ça en termes gramsciens. Comme vous savez, Gramsci a une conception de l'intellectuel organique qui est que chaque groupe social, chaque classe qui aspire à construire des générations produit ses intellectuels. C'est pour ça que pour Gramsci, il n'y avait pas seulement de grands intellectuels comme Croce, philosophe, ministre, etc., etc. Et pour lui, les militants du parti ouvrier étaient aussi des intellectuels. Alors le problème, c'est est-ce que c'est ce nouveau type d'intellectuel, l'intellectuel organique des classes subalternes, est capable de produire quelque chose qui relève, qui organise l'hégémonie. Alors dans le cas que vous citez en réalité un désastre historique qui fait que ça ne s'est pas passé dans le monde soviétique. Alors il y a des tas de raisons pour ça qu'on pourrait essayer d'expliquer. Et dans ce cadre-là, effectivement, peut-être que la langue de bois de la bureaucratie a comblé ce vide. J'avoue que il y a un certain... et là, je vais dire ça avec prudence parce que je vais peut-être dire des sottises. Je n'arrive pas à éprouver pour le concept de langue de bois l'hostilité que la plupart des commentateurs ont à cet égard. Alors, je connais naturellement, je suis totalement conscient des limites de la langue de bois et du fait que ça contraint et limite la pensée. La langue de bois adoptée en particulier, puisque quand on parle de langue de bois, on parle essentiellement du langage des directions des mouvements bureaucratiques, du mouvement ouvrier et des partis communistes, la Troisième Internationale. Ça avait au moins un avantage, si on compare avec la langue politique de nos dirigeants actuels, à droite comme à gauche, ça avait au moins l'avantage, la langue de bois, de passer par une expression collective, de faire que l'expression des dirigeants du Parti ouvrier était l'expression d'un collectif, pas l'expression d'un individu. Quand vous entendez le moindre politicien, à l'heure actuelle, passer à la télévision, il se met à ouvrir largement ses viscères et à vous raconter le plus intime de ses émotions afin d'interpeller au niveau du pathos le public. J'ai une nostalgie, si vous voulez, mais ça c'est mon histoire politique, j'ai une nostalgie de Val des Crochets avec son superbe accent bourguignon qui nous parlait dans les clichés habituels des forces ouvrières et démocratiques. C'est-à-dire dans cette langue de bois qui exprimait en fait une position collective. Alors, une fois que j'ai dit ces sottises, je vous accorde que la langue de bois version stalinienne et version Goulag n'est pas quelque chose que je souhaite. Alors, sur le fait que les intellectuels sont en majorité issus des classes bourgeoises, c'est un fait, effectivement, c'est-à-dire qu'en réalité, la classe subalterne, si vraiment, les classes subalternes, si vraiment il y a un processus hégémonique qui s'engage, vont produire des intellectuels, ou devraient produire des intellectuels organiques issus d'elles, mais que ce processus n'est pas évident et n'est pas immédiat. Dans l'histoire du Parti communiste italien, il y a eu un, qui pourtant était inspiré par Gramsci, il y a eu un tournant qui est le tournant de la libération au moment où Togliatti a délibérément reconstruit
une élite de dirigeants communistes, non sur la base des militants ouvriers, mais sur la base d'intellectuels petits bourgeois. C'est ce qui fait que le groupe dirigeant du Parti communiste italien des libérations était fait d'intellectuels petits bourgeois de très haut niveau. C'était un groupe dirigeant extrêmement prestigieux, mais c'était pas des gens qui étaient au départ ouvriers. Là, l'histoire du Parti communiste français est totalement différente. Je ne sais pas d'ailleurs si ça s'est mieux passé. Oui, sur j'aime bien Noé, c'est Valadour Toscane. Au XVIIe siècle, il y avait des tas de conceptions sur l'origine des langues et conceptions nationalistes. Il y avait en particulier un Suédois qui avait cherché à démontrer que Dieu parlait suédois, que Adam parlait hébreu, mais que le diable parlait français. J'espère que cela a rendu une fierté comme moi. Quant à l'omniprésence de la philosophie du langage qui accompagne le néolibéralisme, il y a eu effectivement dans la culture philosophique, ce qu'on appelle un tournant linguistique, qui remonte un peu avant la guerre et qui s'écoule depuis. Et ce tournant linguistique a fait que dans les pays anglo-saxons, la philosophie dominante est devenue une forme de formalisme logiciste qui s'appuie non pas sur une véritable philosophie du langage, mais sur une réduction du langage à sa fonction logique et communicative. C'est-à-dire qu'en réalité, si moi je cherche à construire une philosophie marxiste du langage, c'est bien parce que je suis angliciste et que ma formation philosophique, c'est aussi ça. C'est aussi une philosophie du langage qui est irénique, c'est-à-dire il n'y a pas de conflit, il y a uniquement de la communication, enfin, philosophie du langage qui trouve son couronnement dans la philosophie première de Habermas et dans son analyse de l'interlocution, et une philosophie qui est aussi intentionnaliste, c'est-à-dire une philosophie qui déclare que le sens des énoncés et dans l'intention de sens du locuteur. Donc quelque chose qui repose sur l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire sur l'idée que en philosophie et en linguistique, comme en économie, on doit partir des décisions des individus et pas de collectif, c'est-à-dire pas des classes, pas de la société, etc. Ce que je cherche à élaborer ou à aider à élaborer, c'est une philosophie du langage qui parle de l'inverse, c'est-à-dire c'est pour ça que la philosophie du langage est marxiste, c'est parce qu'elle parle d'une forme de collectivisme méthodologique plutôt que d'individualisme, et c'est pour ça que une des sources de mon inspiration, c'est ce quatrième plateau de 1000 plateaux de Deleuze et Guattari, qui est le moment où ils sont le plus proches du marxisme classique, et où il critique les postulats individualistes de la linguistique en termes de concepts collectivistes, comme par exemple l'agencement collectif d'énonciation. C'est pour eux, c'est l'acte de langage minimal, ça n'est pas la proposition individuelle qui correspond à l'intention de sens d'un locuteur, c'est un slogan, c'est-à-dire quelque chose qui est produit non pas par un individu locuteur, mais par un agencement collectif. Qu'est-ce que vous pensez de Waldo Chino, de ce livre, de Marxisme et philosophie du langage? Je me demande si vous pensez que vous croyez que le dialogisme bartinien est peut-être en forme d'interpellation. C'est une curiosité en fait, ma question, parce que je n'ai pas le temps vraiment de développer ce qu'il a sous-tend, mais en même temps j'aimerais savoir quel écho ça a chez vous. Quand vous avez cité la première thèse de Gramsci, tout homme est philosophe en tant qu'il est locuteur, vous avez dit que on trouve l'écho de cette thèse ancienne aujourd'hui. Je trouve qu'on trouve de façon beaucoup plus intéressante l'écho de cette thèse chez un philosophe comme Jacques Poulain. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Poulain, qui est actuellement
pourquoi à cette idée que Hilton est philosophe en tant qu'il est locuteur, en retrouvant une généalogie de la racine audiophonique de la pensée, c'est-à-dire d'une réalité de la pensée, une réalité matérielle de la pensée, qui est faite d'un mécanisme réflexif qui a été développé, qui a été pensé à un moment donné par un philosophe comme Humboldt, dans le siècle dernier, et Humboldt qui a essayé de démontrer à Kant que le lien entre l'entendement et la sensibilité se faisait précisément par le langage. Humboldt, dans la tradition, a été complètement enterré par le kantisme, c'est pas le kantisme d'aujourd'hui qui l'a retrouvé, et Humboldt que Camus, Saussure. Donc il y a une généalogie qui va de Herder à Humboldt, à Saussure, à Benveniste et plus récemment à Méchonique. Voilà, ma curiosité, c'était, j'ai l'impression que toute cette généalogie était complètement soit étrangère, on ne peut pas tout faire, lire, travailler, ça je comprends tout à fait, soit étrangère, soit vous avez décidé sciemment de la mettre de côté parce que c'est vrai qu'elle ne serait pas du marxisme. En même temps, moi, la question qui m'intéresse, c'est pas tant de savoir si le marxisme a besoin d'une philosophie du langage, que de savoir si la transformation, dans la révolution, a besoin d'une philosophie du langage. Et ça, je pense qu'on trouve chez eux de quoi penser ces questions-là aussi, quoi, sous un autre angle, complémentaire peut-être du vôtre. Voilà. Plutôt au début de votre intervention, quand vous avez évoqué Gramsci et la question de l'unité nationale italienne et la place du langage dans ses analyses, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les analyses des processus révolutionnaires, notamment dans la Révolution française, du jacobinisme et des quelques analyses marxistes qui ont mis l'accent sur le changement du langage pendant les processus révolutionnaires, sur le court terme, notamment sur la question du français, tout simplement, voilà. Puisque ça me paraît intéressant de mettre en rapport justement avec l'histoire italienne, mais ça s'est passé de façon très différente, notamment même en termes de classe, le fait que pendant la Révolution française, il y a une assimilation d'un certain français et une volonté de la part de la Convention nationale de mettre en place une langue unifiée et qui a quand même des résultats beaucoup plus probants qu'en Italie pour des raisons historiques évidentes, mais il y a eu toute une série d'analyses marxistes là-dessus depuis la fin, qui n'est pas le plus heureux là-dessus, mais il a eu le mérite de poser ce problème dès la fin du 19e siècle, en contexte de la Troisième République, en plus ça. Son intérêt, qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Et c'est des choses que j'ai plutôt croisées, et quelles seraient les choses les plus pertinentes qui ont été écrites sur ce problème, notamment le jacobinisme au XIXe siècle? À propos des différentes interventions que j'ai entendues, et notamment celles concernant la langue de moi, j'ai été étonné à quel point on finit par s'éloigner complètement du matérialisme. La production des intellectuels, c'est pas par l'intermédiaire du Saint-Esprit, c'est la division du travail. Alors, à un moment donné, il y a des travailleurs qui se spécialisent, compte tenu des impératifs économiques, dans le travail intellectuel, avec le risque de tomber dans l'idéalisme, c'est-à-dire d'agiter des notions coupées complètement de la réalité. Alors, l'exemple de la langue de bois. Quand j'ai entendu ce mot de langue de bois, j'ai tout de suite pensé à ce qu'on entend dans les interventions à la télé, là, les hommes politiques que l'on interviewe, sur un sujet précis et qui répond tout à fait à côté sur des généralités complètement. Ça n'a rien à voir avec la question posée, mais j'étais loin de penser qu'on se référait au discours un peu encaustiqué des dirigeants communistes d'avant la fameuse chute du mur. Mais justement, ce discours stéréotypé des dirigeants communistes, c'était pas du tout la langue de main. C'était un discours qui visait, à tort ou à raison, on peut discuter, mais qui visait à l'action des masses, tout simplement. Pourquoi inventer toutes sortes de notions idéalistes coupées du réel, voilà. Je suis un peu naïf, mais en fait. Naturellement, quand on écrit un livre qui s'appelle « Une philosophie marxiste du langage », on ne peut pas ne pas avoir lu Volochinov et ne pas être un admirateur de Volochinov. C'est mon seul véritable prédécesseur, en un sens. Et c'est un très grand texte. Je suis d'ailleurs content que l'on continue à l'appeler Volochinov parce qu'il existait réellement, comme vous savez, son livre, quand il a été traduit en français, dans la collection, une collection dirigée par Pierre Bourdieu, a été publié sous le nom de Bakhtine. Comme si, en fait, Bakhtine était le seul à pouvoir penser et que les gens autour de lui, Volochinov, Medvedev, etc., n'étaient que des prête-noms pour les grandes idées bakhtiniennes. Donc en fait, depuis que la chute du mur, on a eu accès à des archives, il y a des spécialistes
de Bakhtin, à l'université de Sheffield, qui ont fait des recherches et ils ont mis la main sur une thèse déposée par Loshinov, l'université de Moscou, qui était en fait le cœur de son livre sur la philosophie du langage. Donc Voloshinov est pour moi l'autorité principale, c'est celui qui a mis en route une philosophie marxiste du langage. Alors, ce qui est quand même assez curieux, c'est qu'il nous est revenu par le biais des anglo-saxons. Il a été traduit en anglais bien avant d'être traduit en français, et il a eu une influence non négligeable sur un grand marxiste anglais qui est Raymond Williams. Dans le livre de Raymond Williams qui s'appelle Marxism and Literature, il y a tout un chapitre sur le langage, ce qui pour un penseur marxiste est quelque chose d'important. Et ce chapitre est inspiré à la fois de Voloshinov et de Gramsci. Et donc alors quant à savoir si le dialogisme bakhtinien est une forme d'interpellation, avant de répondre à cette question, il faudrait que je réfléchisse assez longtemps aux dévotés, peut-être. J'aimerais bien que ça soit le cas, j'en sais rien, ça demande à être creusé. Mais effectivement, derrière votre question, il y a l'idée, est-ce que Bakhtin, qui a eu son heure de célébrité dans les milieux de la critique culturelle et de la théorie, en particulier dans les pays anglo-saxons, il y a une lutte idéologique à propos de Bakhtin, parce que l'interprétation dominante de Bakhtin en fait soit un phénoménologue attardé, comme le montrent ses tout premiers écrits, qu'on a réédité assez récemment, soit un orthodoxe russe, un religieux orthodoxe russe, c'est en gros l'interprétation de Todorov. Alors contre ça, je pense qu'on peut défendre une version matérialiste et même marxiste de Bakhtin, et dans ce cadre-là, le concept de dialogisme est un concept que nous pouvons, nous, du point de vue de la philosophie marxiste du langage, récupérer. Alors, Jacques Poulain, j'ignore totalement l'œuvre de ce collègue, mais on apprend tous les jours et je vous promets de le lire à la première occasion. Effectivement, s'il y a une convergence entre ce type de philosophie et ce que je propose, je m'en réjouirai. Alors, je ne suis pas entièrement innocent quant à la tradition Herder, Humboldt, et qui va jusqu'à Benveniste et Mechnik. J'ai suffisamment enseigné à la linguistique pour que Benveniste et Mechnik deviennent une figure parmi mes auteurs. C'est vrai que la tradition, on dira, pour aller brièvement, d'une philosophie romantique du langage est plus proche de ce que je cherche à dire que la tradition analytique anglo-saxonne. Donc je préfère effectivement la vision du langage qu'on trouve chez Herder et Humboldt à celle qu'on va tirer de Locke, etc. Cela étant, si vous voulez, ça s'arrête là. C'est-à-dire que c'est une tradition qui est voisine de la mienne, mais qui ne m'éclaire pas directement sur ce qui sont mes intérêts principaux, et que moi j'ai trouvé plus au sud, c'est-à-dire chez Gramsci, ou plus au nord chez Voloshinov. Mais ça ne veut pas dire qu'on choisit naturellement. Quand on travaille, on se choisit une tradition et on parle de langage d'une tradition, ça ne veut pas dire qu'on ignore le langage des autres traditions, qu'on ne les a pas lues. Oui, je crois que c'est... Mais je promets de lire Jacques Poulain, ce que vous dites me paraît assez alléchant. Alors, sur les processus, l'effet... sur la langue des processus révolutionnaires, la situation française est en effet, ou la situation russe après la révolution de 17, est en effet différente dans la mesure où Gramsci, lui, analyse la naissance d'une langue nationale qui est une naissance pluriséculaire, c'est-à-dire sur de longs siècles, sans qu'il y ait eu à ce moment-là, et il faut attendre en fait jusqu'au fascisme pour qu'il y ait
tentative d'éradication des dialectes en Italie, éradication qui est en train de se faire de façon douce par le biais des médias, etc., mais qui, de la part du fascisme, était relativement théorisé, pas autant théorisé que la tentative d'éradication des langues étrangères, par exemple les mots français et anglais. Il y avait toute une discussion parmi les fascistes sur la nécessité de ne plus parler, utiliser des mots français. Il ne faut pas dire un bar parce que ce n'est pas un mot italien, etc. etc. Ça prenait d'ailleurs des aspects un peu comiques, comme toujours avec les fascistes italiens, parce que Mussolini exigeait qu'on ne parle plus pour dire vous, la langue italienne utilise la troisième personne. Ce qui est l'équivalent de la vostra signoria. Et il disait, il faut arrêter de parler à la troisième personne, parce que c'est de l'étranger, il faut dire de façon romaine, vous. Et il ne se rendait pas compte qu'en fait, la troisième personne est une caractéristique de la langue italienne et que le vous est importé du français. Et donc, les tentatives de ce genre. Alors, dans le cadre de la Révolution française, il y a eu effectivement. Avec ce jacobinisme que d'ailleurs salue Gramsci. Gramsci en fait a des aspects assez favorables aux jacobins. Il y a eu effectivement une tentative d'imposition du français, relativement réussie, d'imposition du français d'Île-de-France comme langue nationale. Alors par deux moyens et pour deux raisons. Le premier moyen, c'est l'institution primaire, parce que la Convention a essayé d'installer un instituteur dans chaque commune, et il n'y a pas réussi pour des raisons de temps, etc., mais la volonté politique était là. Et la deuxième façon, c'est naturellement, comme on sait, le creuset du français standard, c'est la conscription. Et donc il fallait imposer un français standard à la fois pour lutter contre la superstition. L'instituteur était installé dans la commune pour lutter contre la superstition du curé qui parlait ou bien latin ou bien dialecte et qui prêchait souvent en dialecte parce que ses paroissiens ne comprenaient pas le latin. Et le français standard, c'était aussi le français de l'armée. Donc l'unification nationale ayant été beaucoup plus rapide et beaucoup plus forte en France qu'en Italie, les phénomènes ont été plus grands. Alors la question qu'on pose et qui se pose quelquefois dans les textes de Lafargue, c'est est-ce qu'une révolution politique entraîne un changement de la langue ? Alors les maristes, les partisans de Nicolas Aymar en URSS, c'est-à-dire celui qui a critiqué Staline dans sa célèbre intervention, Mar était en fait un vieux linguiste qui s'est converti à la Révolution peu de temps après la Révolution, qui est devenu marxiste. Donc c'était un marxiste de très fraîche date, il avait derrière lui une longue et peu glorieuse, assez peu glorieuse œuvre linguistique. Et Mar soutenait effectivement qu'une révolution dans la structure devait impliquer une révolution dans la superstructure et que donc la langue soviétique n'avait plus rien à voir avec la langue russe ancienne. Et l'intervention de bon sens du petit père des peuples a été de dire que la langue n'est pas une superstructure. Alors, les deux termes du dilemme sont faux. Parce que, effectivement, dire que le français a changé complètement avec la Révolution ou le russe avec la Révolution russe, c'est manifestement faux. Il y a dans une langue des strates diverses qui évoluent à des vitesses diverses et qui sont plus ou moins objets d'intervention délibérée de la part de groupes de locuteurs. C'est plus facile de décider qu'on appellera son voisin camarade plutôt que monsieur que de changer la syntaxe du massif. Donc on peut raisonnablement penser que la langue française après la Révolution, même s'il s'appelait citoyen, continue à utiliser le même passif, ce qui est le cas. Bon, par contre, dire que la révolution dans la structure n'a aucune influence sur la langue, c'est en réalité
interdire toute analyse des effets idéologiques de la révolution en question, dans la mesure où elle se sédimente sous la forme d'un sens commun et d'un bon sens. Donc il y a des choses qui changent. Tout ne change pas, mais il y a des choses qui changent. Et l'intervention du petit père des peuples a empêché justement pendant des décennies les linguistes, en particulier les linguistes communistes occidentaux, de se poser ce genre de questions. Dans mon livre, j'utilise un texte de Pasolini, qui est un texte superbe, dans lequel il aborde effectivement ces questions. Alors, dernier point sur la langue de bois. Alors, historiquement, je suis entièrement d'accord avec vous. Historiquement, quand on fait une histoire de la langue de bois, il y a quelqu'un qui vient d'en publier une il y a quelques semaines, ça s'appelle Histoire de la langue de bois, c'est un spécialiste de la communication de l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Inévitablement, il commence, et la moitié de son livre consiste en une analyse de la langue des dirigeants communistes, la langue bolchevique, la langue. Naturellement, ensuite, comme il n'est pas complètement idiot et relativement honnête, il termine sur l'analyse de la langue de bois de nos politiciens actuels, qui est aussi boisé, si j'ose dire, et avec cette différence que j'essaye de penser, c'est qu'effectivement, la langue de bois des dirigeants communistes était une langue collective et qui portait une ligne politique. Et quand on entendait un dirigeant communiste parler, c'est vrai qu'il parlait comme son voisin, mais il défendait la même ligne politique. Là, aujourd'hui, vous l'avez très bien décrit, et d'ailleurs dans ce livre, dont j'ai oublié l'auteur, mais qui est dans toutes les librairies, qui s'appelle Histoire de la langue de bois, il décrit effectivement le fait que la langue de bois est utilisée pour éviter tout contenu politique, pour ne pas répondre aux questions. Et comme vous savez, avant une soirée électorale, tous les intervenants d'un parti quelconque dans les médias, et ils passent leur temps, comme vous savez, à faire le tour des chaînes pour les soirées électorales, sont briefés sur exactement ce qu'ils doivent dire. Et donc vous entendez de la part de toutes les... exactement la même chose. Dans le cas où ils ont perdu complètement les élections, il s'agit d'élections régionales et pas d'élections nationales, etc., etc. Enfin, on connaît tous ces trucs. Il y a quand même une différence. Je suis d'accord qu'il y a quand même une différence. Bien. Je vais à la gauche quelques ouvrages proposés par les éditions de la Dispute. Si je vois bien le dernier ouvrage aussi, j'en savais nos éditions d'Elga. La prochaine séance aura lieu samedi prochain, toujours à 14h lieu, avec Franz Fischbach. Ce sera la dernière séance de l'année civile, puisqu'il n'y aura pas de séance le 19 décembre, le séminaire reprenant le 6 février, avec Florence Gauthier, historienne de Paris 7, qui nous parlera de droit naturel et révolution française. Enfin, je rappelle que ce séminaire est en partenariat avec la revue Contre-temps, que vous trouverez aussi au